Et salut les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle rediffusion sur le jeu Dark Souls, premier nom Prepare to Die Editions, donc un jeu PC qui m'a été offert par je ne sais plus qui, merci à toi encore une fois, et on va essayer de s'en sortir cette fois-ci. On est tombé sur une grosse bestiole qui apparemment ne nous vaut pas du bien, et on va essayer de lui faire la peau. Voilà, je m'attendais bien à tomber sur quelque chose, mais à ce point-là, peut-être pas, et j'ai été tué par les archers, pas par la grosse bestiole, donc je suis pas si mauvais que ça, peut-être au final. Pendant que ton épée est en main droite, d'accord. Mais j'ai peut-être essayé de pour l'instant de continuer avec le bouclier, parce que le bouclier me plaît. Peut-être éviter d'esquiver dans le vide, ce serait peut-être pas si mal. Ils ont réussi à me toucher. Sprint. Attendez, faut que je récupère un petit peu là, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'ai voulu esquiver, mais il a pas esquivé à temps. Tant pis. Je joue trop n'importe comment. Là, on sait que c'était un peu situé de ce côté-là. Ok, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. C'est déjà les choses qu'on a vues, tout ça. Ouf, la violence. Je vais recrever et je suis remort. Je veux trop foncer dans le tas là sur le coup. Ah, on peut switcher entre les deux, ça peut être intéressant ça. Donc on en est déjà à 9 morts. 9 morts au tout début du jeu. En même temps, le jeu est fait pour ça, il paraît, mais quand même. Quand même, E.T., je suis déçu là. Je crois qu'il y en a souvent un autre qui se ramène par là. Ah, je l'ai pas vu arriver. J'étais en train de regarder ce qui se passait là-bas, là. Non, attends. Ils nous ont fait une esquive simultanée. Oh, c'était beau cette esquive, c'était magnifique. Je vous dirais bien que vous avez le droit de m'applaudir, mais on va attendre d'arriver jusqu'au bout, d'accord? Un mélon d'âmes dans le même style. Ah mince! Les 4000 armes que j'avais récupérées avant, forcément, je viens de les perdre. Ah mais non, mais je trompe. Faut vraiment que je fasse plus attention à ce que je fais. Bon, la priorité là, c'est d'aller éliminer l'autre Gugus là, qui m'embête. Voilà, lui. On va s'en refaire des âmes, on va s'en refaire et on ira les claquer. Mais là, ça veut dire que j'aurais eu 8000 âmes à la place de ça. Toi, je t'aime pas. En plus, tu tires dans le sol, donc ça me plaît encore moins, monsieur. Voilà, tu meurs. On redescend. J'ai boire quand même une fiole d'extus, au cas où. 1 million d'âmes, ça fait quand même bien mal, hein. Messieurs, bonjour. Ils font mal. J'en ai eu un. Allez, viens là. Je crois qu'après j'irai me regarder le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou je sais pas, un film. Un truc que j'aime bien parce que... Allez, viens là. Viens ici, copain. Tu m'agaces avec ton bouclier. Ah mais quoi qu'attendez. Ça a pas marché. Je cherche à aller trop vite à chaque fois, c'est pas bon. Bien que j'étais pas tout seul. Mais non, c'était pas ça que je voulais. Fiole d'estu, c'était quoi dont tu me parlais du coup? Résine de pain doré.
Ah non, c'est équipement du coup qu'il faut que je fasse. Je comprends pas trop comment ça fonctionne cette histoire là. Est-ce que je peux pas mettre de résine de machin chose ici? Je pense qu'il y a plutôt un moyen de naviguer dans les différents objets, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Ouais, mais justement, les objets là, je peux pas. Ah, si, je peux changer comme ça, d'accord. Ça y est, c'est bon. On l'a dit, pas descendre. Iti, pas descendre. Iti, pas descendre. On va y arriver. Quand je passe que toutes les armes que j'avais claquées là-haut, elles ont disparu. Je suis tellement triste. Alors échelle, 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 échelle. Elle est où l'échelle? Ah, elle est... J'aurais dû la remarquer plus tôt celle-ci. En plus je m'étais retourné la fois précédente quand j'étais arrivé là. T'as pas honte de me faire du mal toi aussi? Voilà, maintenant on va aller storcher l'autre gars. D'accord? On va lui faire comprendre qui est le patron. Ah, si toutes mes âmes avaient été... Oh, on a une jolie vue quand même ici. Si toutes mes âmes étaient restées par ici, j'aurais pu toutes les récupérer si j'étais pas mort bêtement. À force de vouloir jouer les quiches, hein? Bah, elles y sont pas. Barbe rouge, fiole d'estus, humanité... Bombe incendiaire, âme d'âme arrivant perdue, ça y est pas. Je crois que c'est trop tard en fait. Ça commence très bien ce combat. Ah ouais, mais et quand l'ennemi est en train d'attaquer, je peux pas faire d'esquive. Il met un temps pas possible à faire son esquive. Oh là là, oh là là, tire-toi bonhomme, tire-toi. Bon, espérons que ça suffira, parce que j'ai plus de fioles là du coup. Mais non, mais sérieux, esquive quand je te le demande, j'aimerais bien que tu fasses le mouvement. Et là, par exemple, j'ai appuyé. Non mais ça, c'est un truc qui va m'agacer dans le jeu, je pense. Le personnage qui refuse d'esquiver quand t'appuies. Là, il le fait direct. Esquive! Non mais sérieux! J'ai appuyé trois fois sur la touche, pourtant je suis pas... Ça va me gaver. Là, par contre, je sais que j'ai fait une bêtise en esquivant en arrière. Ah, je sens que ça va me gaver. Ouais, je l'avais oublié, Tartine. Mais je sens que ça va me gaver, en fait. Le personnage qui esquive pas quand tu le demandes, alors ça... Alors que j'ai les yeux rivés sur ma jauge d'endurance, je peux esquiver, mais il esquive pas. Il fait pas sa roulade. Pourquoi il fait pas sa roulade? Il faut qu'on m'explique. Pourquoi il veut pas faire sa roulade? Je veux une explication logique à tout ça. Oh là là. Bonne nuit Pierre. Moi je t'avoue que je termine, je pense, cette rediff et après soit je ferai autre chose, soit je... Par contre j'avais 10 fioles d'estus au départ. Où est-ce qu'elles sont toutes passées les 10 fioles?
J'ai l'impression que ça sert tellement à rien ce que je fais. Ah non non mais en fait c'est seulement contre les boss. Tu vois là ça marche à coup sûr. Le problème se pose vraiment contre les boss. Ça m'a fait le même coup contre l'autre mec qui était un peu imposant. Qui a été attisé, d'accord. Bon là je me souviens du truc. T'es pas mort. Alors, au revoir. Faut pas que je remeure une seconde fois ici, parce que toutes mes âmes là, clé. Soigne pas, toi. Non, mais oh. Mais je sais pas pourquoi il coince le perso, pourquoi il veut pas esquiver. Oh là là, mais quelle fiche. C'est ridicule qu'on se le dise. Ah non mais attends, attends, non. Toi t'es le suivant sur ma liste. Rien n'est fait là. Quoi d'important, des fails de ma part. Des très gros fails. Mais j'ai vraiment l'impression que le personnage esquive pas. Faudrait que qu'il ait les touches qui apparaissent sur lesquelles on appuie en fait. À chaque fois que ça se passe comme ça. Ok. Voilà, lui est KO. L'autre, on sait qu'il faut pas le déranger. Ça, c'est bon, c'est fait. Suivant. On va essayer de le torcher, là, le mec, quand même. Ouais, d'accord, on le torche. On le fait, on l'élimine et on passe à la suite. Il va pas s'en remettre. C'est là que je mords contre les archers. Oh là 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 là, catastrophe, catastrophe. Donc du coup je devrais pouvoir le frapper là-haut. Et oui, là-haut, je peux le frapper. Je les nique carrément. C'est quand même un petit peu violent, non? Bon, rends-moi ce qui m'appartient, s'il te plaît. Ça, là, c'était à moi. Ça peut marcher une deuxième fois ce truc. Bah il est où? Vas-y viens, faut qu'on bouge un petit peu, s'il te plaît. Aïe! Méchant gros taureau. Peut-être que je préfère récupérer un petit peu de fiole d'estus quand même là. Là il a esquivé mais avec un temps de retard. Bon, c'est de la triche, hein, ce que je suis, on est d'accord. Mais je l'ai pas, là, à l'attaque. Oh, le jeu rame, le jeu rame. Je sais pas si je la fais n'importe comment et... Éloigne-toi, mec.
Non! La bosse est mutée pour... est prévue pour être mutée comme ça. J'ai voulu passer et je me suis encore ramassé sévère. C'est tellement agaçant de se retaper le même passage 50 fois. En même temps, j'ai capable de pas mourir aussi, hein. C'est ma faute, mais... C'est déprimant. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Non mais, je voulais appliquer la résine de pain, mais tu remarqueras qu'elle apparaît pas dans mon inventaire. Bombe incendiaire, âme d'un mort vivant perdu, œil, orbe, machin, chose, et après c'est de nouveau la fiole d'Estus. Donc je l'ai cherché en fait, mais je l'ai pas trouvé. Peut-être que du coup, faut que je la change ici en fait, c'est peut-être pour ça. Elle est là, là. Oh, c'était beau ça. Oh, c'était beau ça. Oh, par contre, c'est agaçant le mec qui a pris une esquive et pas capable de frapper dans le bon sens. Je suis pas d'accord. Non, 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 ah ça m'agace. Mais c'est moi qui fais de la paille. C'est bon, t'es mouru. Viens là, copain. Viens là. Tu es ma proie. Viens. C'est bien ce que je me disais. Il y en avait un qui était descendu. Je l'entendais me faire de l'œil par derrière. Ça y est, tu sais pas. Ah, je peux fouiller son corps. Ça, c'est fait. Ça dure combien? Je sais pas combien de temps ça dure. Bah, de toute façon, on est quasiment arrivé dans l'arène, là. On va aller éliminer les archers, récupérer si possible ce qui me revient de droit. C'est à mes âmes. Elles sont là, mes âmes. Donc les archers en premier lieu. Aïe, mais ils font mal en plus ceux-là. Comment gaspiller tous ces trucs de résine, c'est moche. Ok chef, allez hop c'est parti. Donc on s'occupe de mettre ça, on ramasse les armes, on la boit, on y va. Fonce bonhomme, fonce. Bon allez chérie, viens là s'il te plaît. Ah je suis coincé. Et j'étais coincé et je savais pas trop quoi faire du coup.
Dégage. Ah, il m'a eu sur l'escalier, la saleté. Pour faire un critique, autant en plein sur la tête. J'avais peur qu'il se rapproche pas assez et que j'ai surtout peur en fait qu'il monte ou qu'il fasse une bêtise dans ce genre là. On est à 12 morts. Ah, sérieux, j'en ai marre de me retaper 50 fois le même passage. C'est tellement désagréable ça dans The Dark Souls. Après, c'est de ma faute, je sais, j'ai qu'à jouer correctement. Mais c'est ce genre de jeu en fait qui m'a fait abandonner moi toute envie de jouer à un Dark Souls. Je trouve ça tellement gonflant. Ouh, je l'ai pas derrière, mais non me tapez pas. Non c'est bon, je suis invincible, bonjour les cas. Nickel. C'était beau, je sais pas comment j'ai fait exactement, mais c'était beau. Elle m'a tué et lui il m'a bien visé aussi le saligo. Je cherche encore une fois à être vite, mais je pense que c'est le moment d'arrêter là plus ou moins. J'aimerais bien essayer d'aller tuer les gars qui sont là-haut, mais on va voir s'ils descendent ou pas. Est-ce qu'il y en a un qui cherche à me rejoindre ou pas là par là? Pour l'instant non. On va les laisser tranquille du coup. Toi tu viens avec moi. Vous aurez vu 50 fois la même chose dans la vidéo, mais c'est pas grave. Faudra différentes vidéos là. J'étais trop loin pour le taper quoi. Allez venez chers camarades. Faut qu'on discute. Là, j'ai pensé au coup de pied, j'ai compris comment il fallait le faire. Toute ta vie, d'accord. Remets ton armure. Bon, si vous me dites qu'il faut remettre l'armure. On va attendre que l'autre se ramène. L'armure, s'il vous plaît. Alors, toc. Non. Je me trompe de touche. L'armure, on avait dit toc, toc. Il nous en reste deux. Oh comment je me sens lourd et impossible de esquiver à une vitesse normale. Bon du coup c'est quoi, je vais l'enlever, ça m'agace. Je la supporte pas. C'est trop lourd encore, franchement c'est trop lourd. Je veux à retirer l'objet, voilà. Ah ouais, non mais là clairement c'est trop lourd. Donne-moi mes âmes. Je les veux. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On se dit que celle-ci c'est la bonne, hein? D'accord? Si c'est la bonne. Celle-ci c'est la bonne. Cette fois-ci, on va écouter Tartine. Copain!
Je suis trop près, je suis trop près, je suis trop près, je suis trop près. Ah non, c'est bon. C'est bon, ça passe. Comme Pépé dans Mémé. Oh, t'es pile en dessous. Par contre, je peux pas pouvoir passer. J'ai fait une connerie là, je crois. Voilà, j'ai fait une connerie. Je suis pas encore assez habitué aux touches. J'ai voulu remettre la fiole d'estus, mais pour moi, comme la flèche est vers le bas, j'ai appuyé vers la flèche vers le bas en fait. C'est ça le truc. J'ai fait ma quiche encore une fois. J'ai encore grillé un truc doré machin chose pour rien en fait. C'est dommage, là j'y étais presque. Oh là là, ça commence bien. Ben, elle est où mon arme? Ah. C'est pas gagné hein, Dark Souls. On a... Bah 13 morts, j'ai oublié de passer, non? Je crois que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je crois que c'est 13. Si j'en oublie, en plus, ça va pas le faire. Bon, l'idéal serait de réussir à terminer le jeu en ayant moins de 200 morts. Quand même. Et vu comment c'est parti, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Oh là 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 là. Ah, il m'a tapé lui quand même, j'avais pas fait gaffe. Je croyais qu'il était mort. Eh, j'ai des bombes incendiaires aussi, ça aurait pu être pas mal ça. J'ai de la chance qu'il me rate. Bon, l'avantage c'est tant que je meurs et que je récupère mes âmes, tout va bien. Ce qui serait embêtant c'est que je ne les récupère pas entre temps. Oh mais... Je me fais démonter avant. Bon, on y va quand même. Hein. On s'en schtroumpf. L'important, c'est de récupérer les âmes à jour. Un jour reviendra. Mais comme je vous dis, c'est les 40 dernières minutes. Enfin, les 40 dernières. Il va rester environ 12 minutes de gameplay. Et selon comment ça se passe après, j'estime que ce sera pas la peine ou pas. Quoi. Mais là, faut que j'arrive à le tuer parce qu'après, j'ai plus de résine de pain doré. Je sais pas, je me dis que le casque, peut-être pas, ça doit être le plus lourd quand même. En moins de 200 morts. Eh, écoute, peut-être que je finirai par m'y faire au jeu, on va savoir. On sait jamais, même les miracles les plus extraordinaires peuvent arriver. Il peut se passer des choses étranges, des fois. Va savoir. Va savoir. On ne sait jamais à l'avance comment ça peut se passer. Je sais que t'es là, couche-culotte, viens me voir. Au revoir. Tu peux pas te rapprocher un petit peu s'il te plaît? Ah non, carrément il est monté. Pff, mais quelle quiche. Fallait s'y attendre que ça arrive à un moment ou à un autre ça.
Ah mais ça m'a touché quand même, pourquoi? Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si, c'est bon. Alors, Eti, prends les fioles d'Estus. On s'éloigne, si possible. Voilà, coincé dans ses jambes. On va essayer de l'avoir comme ça en espérant qu'on aura le temps. Mais mince, qu'est-ce que je fous? Merci la caméra. Je sais pas pourquoi il m'a fait ce petit bond là, mais je m'en fous, l'important c'est que j'arrive à vaincre la bestiole une bonne fois pour toutes. Aïe, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Je l'ai pas assez éloigné peut-être. Non, 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 j'ai essayé plusieurs fois de faire des voiles entre ses jambes, ça veut pas fonctionner. La plupart du temps en tout cas. Non, il va sauter, il va sauter. Bien sûr, j'ai enlevé les trucs d'humanité de mon inventaire. Oh, mais Troumf, quoi! Et voilà, une mort de plus. Punaise, j'ai essayé de faire des roulades, je reste coincé dans ses jambes en fait. Oh, j'en ai marre de faire ce passage. C'est taper 40 minutes à refaire tout le temps le même passage, c'est tellement lourd. Ça c'est fait. Esquive, esquive, esquive. Toujours pas mort, toi ? C'est bon. Ton os du retour, on va voir. C'est quoi l'os du retour en fait? C'est où? Alors attends. Non, faut pas que je me trompe de touche. Changer équipement. Os du mob vivant perdu. Cristal diviseur. Hein, fiole d'estus. Marque sombre. Ah ça en fait ça peut être utile pour gagner des armes en fait, j'ai pas fait gaffe. On va essayer de faire ce que tu me dis. Non, arrête de te soigner s'il te plaît. J'ai cru qu'il allait passer par-dessus mort. Ça m'a fait peur.
Ah, je me suis fait bien avoir. Non, 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 c'est pas le moment de mourir, s'il te plaît, c'est pas le moment de mourir. T'as pas envie de m'attaquer, toi? Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire là du coup. Mais je crois que je suis trop loin. Voilà, je l'ai eu. C'est bon. Ouais, non, mais c'est pour ça. On va faire ce que vous me dites. On va aller faire l'aller-retour. Vite fait. Et on verra après. D'accord, ok. Bon, on va essayer de faire ça. Je m'en fous, je fonce. Je sélectionne déjà l'os de retour. Je sais pas comment ça fonctionne. Mes âmes sont super loin. On va tenter de faire au mieux. Attention, 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 attention. Ça a pas marché ? Ça a pas marché, c'est quoi cette arnaque? Non. Mais j'ai essayé de le faire marcher et le personnage ne s'est pas téléporté, vous pas d'accord. Bon, au moins j'ai rapproché les armes. Les âmes, c'est déjà pas mal. Ah punaise. J'ai essayé d'utiliser le machin, mais le personnage s'est pas déplacé, il a dû se faire toucher avant ou je sais pas. Ok, donc on sait déjà ce qu'on va faire. Non, 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 cours, cours, cours. Espèce de quiche. C'est pas trop le moment de mourir. On va prendre une fiole parce que je me dis, je prends un coup, je peux mourir là et ça m'embêterait. Redeviens humain au feu là. Pourquoi redevenir humain? Attends, oh. Non mais arrête d'attaquer, c'est pas la touche que je veux. Je me trompe de touche en plus. Oh, je tape pas le bon. J'aime pas la gueule qu'il va avoir quand il sera humain. Là, je l'aime bien, il a du style. Je pouvais plus esquiver. Ce jeu manque sérieusement d'attaque à distance. Ah, mais là, il se soigne en plus. T'as pas honte. Non, m'attaque pas, pas tout de suite, s'il te plaît. J'étais trop loin. Je fais de la merde, la merde. On ne peut dire adieu aux 7000 âmes, mes amis. Je suis vraiment désolé. J'ai voulu qu'il se soigne et j'ai fait la bêtise. C'est pas que je voulais appuyer sur la touche carré, mais bon. Je crois qu'on arrive à 40 minutes, je crois qu'on va arrêter là en fait ce soir. Je viens de perdre 6000 âmes. Bon, c'est pas grave au final, mais j'en ai vraiment ras-le-bol en fait de me retaper 50 fois le même passage ce soir en fait. Et je me dis que cette vidéo elle sert à rien. La pyromancie, ça aurait pu être intéressant. Mais là on va se... j'ai pas relancé, il est 1h du matin, j'ai pas relancé pour 40 minutes de rediffusion. En fait on va se retaper 50 fois le même aller-retour. Si encore j'étais sûr de pouvoir gérer et de récupérer les armes correctement. Mais là j'ai fait vraiment de la paille et je sens que ça sert à rien de vouloir m'acharner tout de suite en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et apparemment si c'est pété. Non non mais comme je te dis Tartine, il est 1h du matin. Et 1h du matin et je vois que je commence à vouloir trop foncer dans le tas, donc je pense qu'il faudrait mieux faire une pause, tu vois.
plutôt que refaire une deuxième fois cette bêtise que je viens de faire, c'est-à-dire essayer de foncer dans le tas et je suis pas fait pour le speedrun, non, clairement pas. Bah non, parce que j'aime prendre mon temps, j'aime regarder le décor, donc le speedrun, si c'était mon truc, j'en aurais fait depuis longtemps. Par contre, comment on fait pour quitter le... Ah oui, non, ça va être par là. Punaise, ça fait schtroumpf quand même, les 4000 âmes. Si le personnage avait pris le temps de se téléporter juste avant, je pensais que c'était vraiment rapide, en fait, que j'ai entendu le son, je me suis dit, c'est bon, il s'est téléporté, et d'un seul coup, j'ai vu mon personnage à terre, je me suis dit, non, non, tu m'as pas fait cette blague, quand même. Et en fait, si. J'aurais dû essayer d'utiliser au moins une fois ce système. Je pense que j'aurais peut-être pu mieux m'en sortir. Et j'ai oublié de rajouter, je crois, le fait que je venais de mourir, là. On est à 15. 15 morts. Et on n'a même pas affronté un boss, en fait, vraiment. Jusqu'à présent. Enfin, un vrai boss. Bref, du coup, on va s'arrêter ici pour cette rediffusion. Je pense même qu'on va s'arrêter ici pour le live. Et quoi que j'ai quoi d'autre comme jeu dans l'immédiat. Rien que je puisse véritablement, la part oxygène not included, rien que je puisse vraiment lancer sur un court laps de temps. Ouais, mais même, c'est vrai que c'est triste quand même de les perdre. À quel sujet? Au fait que c'était lent? Non, mais c'est moi qui suis idiot pour le coup, j'aurais dû vérifier ça avant. Ou ça aurait dû paraître logique, tu vois, le jeu se veut compliqué à jouer, enfin pas à jouer, mais il se veut exigeant. Donc avec l'exigence du jeu, j'aurais pas dû me dire, ouais, c'est bon, tu peux t'échapper comme ça en claquant des doigts. Tu vois, c'est moi qui voulais jouer avec le feu. J'aurais dû faire de... Tu vois, la logique du truc, c'est que j'aurais dû récupérer les archers, récupérer les armes, me barrer, monter et utiliser le système. Tu vois, si j'avais fait attention, si c'était pas ce temps-là, je pense que j'aurais été plus lent. Tu vois, je veux trop aller trop vite. Juste un deuxième boss derrière. Cool. Non, mais c'est pour ça. Le Dark Souls me rendait curieux et j'avais envie d'y jouer un peu. Mais je sais que c'est pas un jeu qui m'intéresse. Le décor est joli, les cinématiques sont jolies, l'histoire pourrait presque être jolie, il y a une bonne ambiance et tout. Mais ça me frustre tellement de refaire 50 fois. T'as un bug graphique? Ah mince. De refaire 50 fois les mêmes passages. Ça m'intéresse pas, moi, ça. J'ai besoin d'avancer. Et puis les combats comme ça, en continu, ça me gave aussi, en fait. C'est pas un truc sur lequel je pourrais jouer des heures. C'est pour ça, là, je trouve que je commence à jouer n'importe comment et que je fais de plus en plus n'importe quoi. Je cherche à foncer dans le tas. Donc c'est signe qu'il faut que je ralentisse le rythme et que voir que j'arrête, quoi, tu vois. Ah mince. Bah c'est possible, écoute, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez agaçant. C'est pas pratique. C'est le début, c'est normal. Non, même le début ou pas, je pense que c'est le principe de jeu, quoi qu'il arrive, Tartine. Mais après, comme on me l'a offert, de toute façon, je le ferai. J'ai aussi Dark Souls 2, et puis on verra après. Mais, t'as lâché le jeu de mon tour. Bah là, c'est pas que je veux le lâcher, franchement, on aurait été en début de soirée, j'aurais continué. Mais là, ça fait quand même depuis 22h que j'y joue, donc ça va faire 3h que j'y joue. Et c'est pas un jeu sur lequel j'ai envie de jouer longtemps, en fait, tu vois. C'est pas un jeu, je sens que tu vois ma patience s'épuise petit à petit, que je vais jouer de plus en plus mal. Non, tellement ça m'a gavé. Non, mais vraiment, j'apprécie pas de refaire 50 fois le même passage. Et de me retaper 50 fois les mêmes ennemis. Encore une fois, je sais que c'est de ma faute, puisque j'ai qu'à pas mourir. Je me les retaperai pas si jamais je ne mourrai pas, mais tu vois, le combat continu, ça m'ennuie en fait un peu. Tu vois, c'est sympa, mais sur le long terme, ça m'ennuie. Alors j'ai tendance à vouloir speeder, ce qui n'est pas du tout compatible avec le jeu. Donc tu vois, vaudrait mieux que j'y joue par petite période en fait, tu vois, c'est-à-dire que je fais 2-3 vidéos d'un coup, et au bout de la troisième, je décide de couper, puis on reviendra plus tard sur le jeu à un autre moment, tu vois. Faudrait qu'on trouve le bon rythme, un rythme où j'arrive à maintenir une concentration pour que je fasse bien attention. De l'espoir que tu vas accrocher. Les bases, tu vas kiffer. Non, mais comme je te dis, je pense que ça va être comme Assassin's Creed. Ça va être exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments qui vont me faire kiffer, comme tu dis. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'y joue. C'est parce que je sais qu'il y a des éléments qui peuvent m'intéresser dans le jeu. Mais Assassin's Creed, comme tu peux le voir, j'y touche pas, moi, en dehors des lives. Et j'aurais eu l'occasion, pourtant, parce que je les ai tous depuis un moment. Enfin, je les ai pas tous depuis un moment, mais j'en ai des opus depuis très longtemps, les Assassin's Creed. Et puis au final, j'y touche pas, tu vois. On essaiera de s'entraîner sur le contre à un moment donné. Mais on verra, de toute façon, je sais qu'il y a des gens qui m'ont conseillé. Les prochaines fois que je reviendrai sur le jeu, de toute façon, je t'enverrai les SMS. Il marche toujours pas, la tartine Fortnite.
Enfin bref, on va couper la rediffusion de Dark Souls. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à la personne encore une fois qui me l'a offert. Je vous rappelle, j'ai oublié son pseudo. Mais merci à toi, c'était en 2012. Je sais pas pourquoi je reprécise à chaque fois que c'était en 2012, mais en tout cas, merci, merci à vous pour votre présence, pour votre persévérance et pour votre soutien. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur Dark Souls ou autre chose. Eh ben écoute, Tartine, ça te tente, je me ferais bien une petite partie là. En live ou pas, on peut s'en faire une si tu veux. Et du coup, je vous laisse ici pour du Dark Souls, on va passer à autre chose, ou peut-être arrêter le live, je sais pas. Mais je me ferais bien une petite Fortnite. Pas PVE vas-y, on tue tout le monde. Du coup, et si vous voulez venir, s'il y a des places, c'est possible. Ouais, mais on essaiera de se faire des sessions de temps en temps quand même. T'inquiète pas, Hydrosomax. 2-3 minutes. D'accord, parfait. Bon, du coup, petite pause. Je coupe le live ici. Merci encore une fois à vous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!